Mais yo tout le monde. Bon, vu qu'en 6 minutes on est absolument capable de parler de rien du tout, eh bien aujourd'hui et pour toujours, les désinformations internetisées dureront 10 minutes. Bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Les actus, ça va trop vite. Enfin bref, lançons le 60e désinformation internetisée. Pour commencer, on va retourner en primaire. Alors les enfants, regardez. Là, je suis en train de dessiner le monde. Regardez, il est beau, hein? Dites-moi qu'il est beau, hein? Bon, ok, j'ai un peu trop abusé peut-être. Non, je disais qu'on allait reparler des primaires. Pour ceux qui ne me suivaient pas depuis le début, eh bien, une primaire, c'est ça. Attention, ça va aller super vite. En gros, vous allez voter pour un candidat de gauche, puis un de centre, puis un de droite. Et celui qui a eu le plus de votes dans le groupe de gauche va être le seul candidat de gauche pour les pré-élections présidentielles, c'est-à-dire celle de 2017. Et ainsi de suite pour le centre et la droite. C'était l'explication super rapide. Bref, cette semaine, on a eu des moments d'anthologie, comme par exemple Sarkozy qui se touche tout le temps le nez pendant sa conférence, ou encore Poisson. Oui, oui, parce que certaines personnes politiques ont le délire de mettre des noms super chelous. Par exemple, il y a Poisson qui est candidat à la présidentielle, ou encore Georges Jambon qui est le premier ministre en Belgique. Enfin, ne me demandez pas pourquoi il y a ce délire là, mais bon, enfin, je sais pas moi. Bref, je disais qu'on avait aussi un moment d'anthologie avec Monsieur Poisson qui a pété un câble sur France 3. Je ne vais pas répondre à vos questions. Et pourquoi? Parce que le traitement qui m'a été infligé depuis le début de la campagne par France 2 et France 3 est indigne. Parce que vous avez reçu sur ces deux chaînes de télévision pendant des durées très longues mes concurrents. Je devais passer ce soir sur le 19-20 de France 3. Donc écoutez, puisque visiblement vous n'avez pas l'intention d'écouter ce que j'ai à vous dire. Non, c'est vous qui avez dit que vous ne vouliez pas répondre aux questions. Je quitte ce plateau, monsieur. Je vous remercie de votre invitation. Merci, Jean-Frédéric. Nous verrons bientôt. Merci. C'est ce qu'on appelle faire du buzz à pas cher. Merci beaucoup. Et ce fameux buzz à pas cher lui a coûté la bagatelle de 100 000 vues sur YouTube. Mais ce qui a marqué les annales, cette semaine, c'est la candidature de Emmanuel Macron. Oui, lui là. Qui a annoncé qu'il allait être candidat pour les présidentielles de 2017, tout simplement. Alors déjà, c'est qui ce mec? Pardon pour le micro, etc. C'est un mec de 38 ans. Oui, parce que chez moi, l'âge, c'est important. Qui était ministre de l'économie, mais qui a démissionné pour être plus libre. Mais surtout, se présenter aux élections. Alors, c'est ce 16 novembre qu'il a décidé de se présenter avec une conférence. Encore une fois, une conférence bien chiante. Comme toujours. Et je vous rappelle que ce Emmanuel Macron a 38 ans. Mais question, sait-il parler aux jeunes? Parce que la France, c'est par-dessus tout un projet d'émancipation des individus, d'émancipation de la religion, des conditions d'origine. En fait, non, on comprend rien. Donc, pour ceux qui n'auraient pas compris son discours de quelques 18 minutes, voici le même discours en quelques secondes. Alors, bonjour, chères demoiselles et beaux demoiselles. Oh là là, qu'est-ce que c'était bien la France avant. Mais ouille, qu'est-ce que c'est de la merde la France maintenant. Eh, attendez, si j'arrive pas à changer la France en quelques années de présidence, c'est pas ma faute, hein, voilà. Mais la politique en France, elle est à chier. Maintenant, tous les politiques pensent qu'à eux seulement et s'en prendre à la population. La solution à tous les problèmes, votez pour moi. Parce que texte poétique et tout là, en fait, j'ai pas compris ce que j'ai écrit. Voilà! Pourquoi se faire chier à faire un discours de 18 minutes quand on peut faire le même discours en quelques secondes? Où est la logique? Ah oui, elle est partie vers la logique des politiques. Voilà, j'ai à peu près résumé l'événement anal, oui, bon, je sais, ça se dit pas, l'événement anal de la semaine. Et dans la politique, on parle aussi d'arrêter le terrorisme. Alors, pendant ce temps-là, le gouvernement nous a pendu une autre campagne de prévention sur le djihadisme et tout, enfin bon, voilà. Médias, mots compliqués, etc., c'est cool, hein. Même dans le dictionnaire, c'est trop compliqué à comprendre. Alors, d'après ce que j'ai compris, en fait, le djihad, c'est tu crois aux idées de l'État islamique, des djihadistes, enfin bon, bref. Et ces idées-là, ils te disent qu'il faut tuer masse de gens en Occident parce que voilà, c'est leur idée. Parce que pour eux, il y a plein d'arguments pour ça. Alors après, ce qu'on vous explique pas dans le dictionnaire, c'est qu'il y a des gens pour vous inculquer, pour vous dire que leur idée, eh bien, c'est bien. Et après, résultat, vous voulez partir en Syrie avec lui. Mariage forcé, puis ensuite, et enfin, vous allez participer à un attentat en Occident, enfin en France par exemple. Parce que vous aimez ces idées et pensez djihadistes. Voilà ce que c'est le djihad. Un mot super compliqué à écrire. Oui, parce qu'après, comprendre le mot, c'est après. Vous l'avez fait exprès ou quoi? Bref, revenons à notre campagne de mes couilles. Bon, en gros, la vidéo de prévention, on peut la résumer à ça. Oh là là, les djihadistes, c'est pas bien. Peux-tu cliquer sur la bonne réponse? Oui! Maintenant, peux-tu éviter Chipor le djihadiste? Oui! C'est le dernier.
c'est gagné, oui je suis tout content. C'est gagné, c'est gagné, c'est gagné, oui je suis tout content. Voilà. Non mais, est-ce que vous croyez que sérieusement, le djihadiste du coin va se dire en regardant cette vidéo, oh là là, je vais trop faire de mal, je crois que je vais arrêter d'être djihadiste. Non. Alors, arrêtez de faire des trucs machin prévention de la noix et tout. Je veux bien être parano un jour, mais attendez, il faut bien que ça soit utile. Bon, il serait temps de prendre une petite pause. Chez Apple, on aime bien créer des choses. Utile ou pas, on s'en branle. Et puis un jour, j'ai vu la vidéo faite par un petit con appelé Arnaud Dunn et qui nous disait qu'on ferait bien de se lancer dans la poésie vu qu'on sait plus faire que ça. Alors, c'est pour cela qu'en 2016, nous sortons notre premier livre à 300€. Et chez Apple, nous aimons vendre des vieilles photos à des prix super chers. C'est notre passion. Et on fait croire qu'on a travaillé 8 ans dessus alors que cela nous a juste pris 2 minutes pour gagner 2000€ déjà. Et après la pub, voici un sample de tout ce que je n'ai pas parlé dans cette vidéo-là. Une semaine après son élection, Donald Trump prépare son équipe gouvernementale. Deux hommes de Wall Street sont pressentis au Trésor et au Commerce. L'ex-secrétaire d'État, très ému, a appelé les Américains à ne pas laisser tomber. Je dois admettre que venir ici ce soir n'a pas été facile pour moi. Plusieurs fois cette semaine, je n'avais qu'une seule envie, me réfugier avec un bon livre ou avec mes chiens et ne plus jamais sortir de chez moi. C'est encore un petit peu de la politique, de l'immobilier aussi. Le nom de Donald Trump qui est retiré de plusieurs gratte-ciels de luxe à New York après en fait une pétition des locataires. Ils sont des centaines à l'avoir signé. Ils se disent embarrassés que leur immeuble soit associé au président élu. Ils gardent évidemment sa Trump Tower. Laszlo Toroszkaï est un ultranationaliste, adhérent du Jobbik, un parti anti-juif, anti-rom et anti-migrant, où ce genre de geste est plutôt apprécié. Sur Facebook, l'homme fait l'amalgame entre migrants et terroristes, et il souligne les dégradations et les ordures que les réfugiés laissent derrière eux. À l'étranger, à présent, et cette déclaration de Bachar al-Assad à propos de Donald Trump, le président syrien estime que le président américain élu pourrait être un allié naturel de Damas. C'est triste. C'est des mauvais souvenirs. Car cette nuit du 18 novembre, Leandro a passé 7 heures allongé par terre avec sa femme et ses enfants à entendre le bruit des balles. Ces derniers mois, c'est donc ici qu'il tente non pas d'oublier, mais au moins d'aller mieux, dans ce logement prêté par la mairie. Vous voyez, c'est là où ma fille, il n'arrête pas de pleurer. Sa fille a 17 ans et chaque nuit, elle tente d'agrandir ce trou pour s'échapper si les terroristes reviennent. C'est le secteur qui a le plus souffert des attentats. Illustration à travers le prix d'une chambre d'hôtel. En moyenne, une nuit est facturée 118€. L'an dernier, même période, on frôlait les 140€. Mathias Somme, Marion Lawamen. Le sport, 13e journée de Ligue 1 qui débute ce soir. Monaco, 2e du classement, se rend à Lorient. Lille accueille Lyon. L'OM jouera dimanche au Vélodrome face à Caen. Est-ce que t'aimes jouer au football? Bof. Pourquoi? C'est ma mère qui m'a forcé à faire du foot. Elle attend de moi que je devienne une star aussi vite que possible. J'essaye de lui dire que ça prend du temps, mais j'ai énormément de pression. Aujourd'hui, à l'académie, séance photo pour les 2600 pensionnaires avec le directeur de l'école. Du procès des bourreaux de la petite Fiona, la cour va s'intéresser aujourd'hui au profil de la mère de la fillette disparue en 2013. Hier, c'est son ex-compagnon qui a pris la parole. Il a beaucoup évoqué la drogue. Peut-être que si on n'avait pas consommé tout ça, on n'en serait pas là, a-t-il dit. Mais il répète n'avoir jamais levé la main sur Fiona. Les enfants, dit-il, c'est sacré. On n'a toujours pas retrouvé le corps de la fillette. Du coup, on ne sait pas ce qui s'est vraiment passé il y a 3 ans. Son père biologique espère qu'avec ce procès, on connaîtra enfin la vérité. Que Cécile Bourgeon s'emporte contre l'avocate des parties civiles et la menace. Pour qui elle se prend? J'ai le droit d'être enceinte si je veux. Vous cherchez la petite bête, vous allez la trouver. Je crois qu'il est grand temps de parler autrement à Cécile Bourgeon,
Je crois qu'il est grand temps de la mettre face à ses contradictions et de lui faire comprendre qu'on est là pour l'écouter, mais on n'est pas là pour être que pour être conciliant. Pour la première fois, Cécile Bourgeon montre un visage autoritaire. Son avocat met cette colère sur le compte de l'épuisement. Ces photos, elles ont été montrées aux accusés qui ont dit que cela ne leur évoquait rien. Néanmoins, cette femme, elle est venue à la barre. Une petite femme brune, se disant médium et se disant être entrée en contact avec Fiona après sa mort. Oui, mais voilà, avouera cette femme, elle a déjà été entendue par la police dès 2013 et son témoignage jugé peu crédible a été écarté. L'avocat général, il s'est énervé contre elle. Il lui a dit qu'elle avait fait perdre du temps à la cour d'assises et celle-ci s'est évanouie. Elle est tombée au sol dans ce tribunal et elle est repartie en civière. Une scène qui pourrait être risible si l'affaire n'était pas si dramatique. BFM TV, merci d'être avec nous. À la une, Thomas Pesquet qui s'envolera ce soir pour la Station Spatiale Internationale. Il va mettre 48 heures pour y arriver. Il n'est que le 10e Français à partir dans l'espace. Un rêve d'enfant très préparé, très concentré, mais aussi très serein. Hier soir, le décollage parfait, la fusée a quitté Baïkonour à 21h20 heure française. Elle va progressivement monter jusqu'à 400 km d'altitude. Un spectacle incroyable pour les rares spationautes qui l'ont déjà vécu. Allez, je vous propose une petite visite guidée des lieux. Voilà à quoi ressemblera sa chambre, le compartiment des astronautes. Voilà sa cuisine qui correspond en fait à un mini four. Et puis voilà sa salle de sport, la machine de musculation. Et ça, c'est extrêmement important puisque les muscles ont tendance à fondre en apesanteur. Il faudra donc pratiquer 2 heures d'exercice quotidien. Les radiotélescopes nous permettent de voir de plus en plus loin dans l'univers et plus le télescope est grand, plus il est sensible. Ici à Cambridge, les scientifiques sont en train de concevoir un observatoire déployé sur plusieurs continents. Actualité, ce sont d'abord ces 3 décès suspects au CHU de Nantes, 3 patients morts après avoir été traités par chimiothérapie. Un mélange de 4 médicaments, dont l'un actuellement en rupture d'approvisionnement, a dû être remplacé par un autre. C'est ce dernier, le cyclophosphamide, qui pourrait être en cause. Voilà, c'est la fin de ce 60e des informations internetisées. Et là, on arrive presque à l'émission spéciale. Non, il ne faut pas que je vous dévoile ça, sinon je vais vous spoiler. Donc, voilà, c'est tout pour ça des informations internetisées. Si vous avez plu, eh bien, c'est bien. Et donc, il y a tout le monde.